Bon, bah alors, qui c'est les clés de la voiture qui ne sont pas celles de Mizou, mais allez, qui ressemblent fortement. Allez, c'est parti pour cette finale. Opel. Les clés de l'Opel. Et de l'hôtel. Voilà. De l'Optel. Alors, qu'est-ce qui a commencé? Vas-y, Riccio. Ouais, bah oui, bah moi je t'attendais. Vous étiez en train de parler de la voiture. Et pour le moment, bah, CCL est légèrement en retard en début de match avec son Joe Higashi contre cette mature. Allez, saut CD pour Tahar. Le break CD média pour CCL qui trouve son Hurricane apparemment hier. L'esquive, bien joué le dragon pour éviter toutes les embrouilles. Le break CD pour Tahar. Allez, gros point l'Erika pour Tahar avec le IX car arrière. Malheureusement, il se rate un peu sur son combo. Le gros point qui fait anti-air et la chope pour cette mature qui remporte le premier round. Donc on va voir le deuxième perso de CL qui est Wajai, si je me... Non, Yori X, Yori Flamme. Ouah, ce dragon fait avec un peu trop de confiance. Allez, gros point Reka, ça c'est bien vu. Allez, gros point à nouveau. Voilà, le cancel qui est fait au bon moment. L'agression de la mature dans le coin. Chop X, mais il n'y a pas de combo derrière. Ce gros point devrait accéder. Allez, le dragon, le CD qui ne touchera pas. Le cross-up trouvé par CCL qui met à terre mature. Mature qui ne veut pas se faire avoir. Le break CD immédiat, le saut qui touche, chope pour mature, il reste très peu de vie. Il va rester 62 vies. À notre cher Yori qui mange le dragon. Il aime pas mature, je crois. Il aime pas mature. Il aime pas mature. Fut un temps, Tahar n'aimait pas Joe, mais comme Jérôme s'est mis au jeu et qu'il joue Joe, il connaît bien le Jérôme qui est aussi dans la team Max Mod, hein, il s'est mis au jeu et il connaît maintenant le perso par cœur. Du coup, tu peux pas les escroquer ni avec Wajai ni avec Joe d'ailleurs, puisque c'est les persos que Jérôme joue aussi. Donc ça va être très dur là pour CCL là, qui lui par contre ne joue pas contre des matures tous les jours à mon avis, et il tente des trucs un peu schnapps comme là. Ah voilà, belle punition du break CD. Il va faire, bien sûr qu'il allait faire gros points, c'est normal. Hop là, et là mind game, roulade, bien joué. Wow. La première fois, ça bon gros point, donc dragon. La deuxième fois, ça bon roulade, rattrapage. Il est derrière dans sa tête. Dark a changé de perso. Ah oui. Il ne prend plus Yagami voilà. Normal, mais plutôt Yagami Flamme. Bien sûr, il a raison, il a progressé. sur en changeant de perso, il progresse. Voilà, tout simplement. Vous aussi, si vous voulez progresser, vous pouvez jouer top tier. Ça fait progresser très rapidement. Aïe. Ouais, ah oui, bien joué. Allez. Là. Ouais, petite punition. CD. On peut encore mettre un max mode là avec quoi. Allez, CD qui touche counter, il y avait Fury là-dedans, hein, mais bon. Chat, voilà. Carrière, le CD, babé. Dommage, le combo n'est pas là, le HD qui est un peu gaspillé. Dommage, saut CD, Fury ça boisson, le dragon. Et là, il a activé le mode Super Saiyan, comme on dit. Il a bu et en plus, il est en HD, donc tout est cancellable. Donc là, il va se faire plaisir, mais là, oh là là, il a perdu le HD, et mais la il est toujours chope, en boisson. Qui et là, va faire mal avec le follow-up. Ah là là, bien joué ça. Le carrière, le dragon X, chope, gros point Reka. Propre. Et 1-0. Bien joué, Tahar, qui évidemment, quand t'as un perso d'avance, tu peux toujours tenter un pif. Voilà, tout à fait. Parce qu'au pire, il y a l'autre qui vient et finira le travail. Donc c'est un pif calculé, disons. Ce qu'il a dit, Youssef ? Je sais ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il y a, Youssef ? Il encourage ses teammates, je pense, tout simplement. Ça parle mal. Ça dit, il va vous dérailler. Alors, certes, hier, Kepachi a envoyé en loser à Conseil du Toux. Ah, ça a parié de l'argent. D'accord, attends, c'est quoi les paris là? Ça m'intéresse là du coup. Doucely. C'est... D'accord. Oh oui. Non, c'est quoi les paris, le Toubs, dis-nous. Ah bah moi j'essaye bête que Tahar il les strike pas. Et s'il les strike pas, je gagne 20€. Hein. Bon bah l'inverse.
Je sais pas, il aurait pu parier avec une autre personne, ça va. Je sais pas. Il y a tout un attroupement de gens ayant de l'argent ici. C'est connu. Allez, c'est parti. Kenpachi, Café Saiki, IX Yori, Kim Kapwan. Contre la team de Tar, Mature, IX Yori, Mister Karate. Donc, je rappelais avant que l'intervention des strikers parvient. Que Kenpachi hier a envoyé le vautour en loser, enfin du moins dans le tour, dans la poule, il l'a tué 2-0 très proprement. Mais avant d'envisager le vautour, il doit se défaire de d'armes. Et c'est pas en faisant des pifs comme ça qui emmène au point avec Racing Infini que il va s'en sortir. Ah là, c'est un match-up très bizarre. Allez, ça, ouais. Parce que en théorie il doit zoner, mais Mathieu, une fois qu'elle est au corps à corps, elle a l'un des meilleurs gros points du jeu et c'est tout de suite plus pareil. Hola hola, il a peut-être pu arrondir les fins de mois. Oh oui, une petite Louisha, une Louisha, ouais, celle-là. Louisha, une deuxième Louisha. Oh là, il a tenté une deuxième. Allez, gros pied, le combo qui est là. Ah, ça va tuer, hein. Hey, le dragon. Dédicace à SBR Jim qui joue le perso. Qui joue Saiki et Maxwell Jérôme. Ah oui, c'est vrai, Jérôme, hein, toujours. Allez, la boule pour Sagami. Oh, bah Louisha infini. Louisha. Ça y est, gros point boule. Le Sandy qui fait mouche. Ah, bah gros point, là il va faire finir. Combo HD direct. Dragon, Reka. Ah, Soubayo. Très propre. Et la furie. On sent qu'il y a de la thune en jeu. Là, ça rigole plus du tout. Plus du Toups. le Toups qui a jamais été aussi à fond derrière Kenpachi. C'est lui son meilleur ami en quelques frames. On oublie tout le passé, toutes les engueulades, tout ça. On est dans l'amour. Asomiwa Walida. Bien joué ça. Avec la Fury follow-up, il va tester à peu près 300 de vie. Yatar qui garde pour le moment les assauts. Et la Fury qui va en terminer. Et on va voir le dernier perso de Tar. Et là, c'est toujours la même histoire. Faut pas manger le max mode de karaté. Voilà, exactement. Max mode de karaté qui enlève 800. C'est ça. Sur une barre de vie de 1000. Je vous laisse faire les comptes de combien il restera. Donc là, si il ce max mode arrive. Allez, faut qu'il gère bien. Enfin, ce décalage, gros point. C'était bien vu. Oh là, le break CD, là, qu'on puisse faire punir encore plus malement. Reka, voilà, avec la mise à terre. Le cross-up qui a été trouvé, mais heureusement, il n'y a rien. Tar qui garde bien le gros point avorté, qui trouve pas l'ouverture sur Babé. Dommage, il a raté. Kenpachi qui est chaud, Reka, le dragon, il n'y a pas de bug, ce CD qui touche. Oh là là, il est chaud. Gros point Reka, c'est terminé. Aïe. Et la et tête Kenpachi qui avait prédit qu'on ne verrait pas ce troisième perso. Apparemment le dessin a été avec lui. Zouker, qui est en train de zouker derrière Youssef. Youssef qui s'en gratte la bobine. Une très sale journée vient de s'écouler. Puisque je rappelle, il a perdu contre Samy du versus Dojo à 9-13. Plus ces 20 euros qui passent très très mal. Hein, qui amplifie. Oui, ça gratte les yeux à ce moment-là. Ça picote. Dommage. Et là, c'est Kenpachi contre le vautour. Donc, comme je disais, Kenpachi a réussi à se défaire du vautour en poule. Même si après, il est mort plus loin dans le tournoi. Et que le vautour est revenu pour tuer. Et voilà, voilà. Et il lui donne 10 euros. C'est beau. Avec it rain. Ce boule est à moi, je tiens à préciser. Je vous vois tous à regarder le boule. Ce boule est mien. Voilà. I make it rain. Ça, c'est mon gars. Et les 10 balles sont d'ores et déjà gagnées. On ne sait pas ce qu'il va faire des 10 euros. Hein. Il va peut-être jouer au loto, gagner des millions, revenir racheter le Stunfest et faire un tournoi où il n'y a que lui, comme ça il gagne. Tout peut arriver.
C'est 10 euros, il faut les suivre, à mon avis, ils ont de l'avenir. Hein? Pourquoi? Ah bon, qui a dit qu'il fallait garder la même team? Oh là là, ça sent les embrouilles. Eh ben, tu peux changer, on a toujours pu changer tout le temps. Pharaon, c'est quoi cette histoire? Eh, si tu veux... C'est vrai qu'il doit garder la même team? Ah ouais? Bah, est-ce que tu peux le dire à la... Oui, bah, ils doivent garder la même équipe. Il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Ils doivent garder la même équipe. Bien sûr, c'était écrit alinéa-b du paragraphe 62, je crois, rédigé par Pharaon. Il n'a pas le droit de prendre Billy. Billy qui pose énormément de problèmes au vautour. Très bien, c'est la première fois que ça arrive, hein, qu'on n'a pas le droit de changer de team. J'ai pas souvenance d'un tournoi où on doit y garder la même team. Mais bon, si c'est dans les règles, c'est dans les règles. Hein. Ah ouais, oh. Kepachi qui dit entre Max Bond et des magouilles, c'est normal. Moi, je ne fais que répéter. Hein. Hey, allez, Kenpachi qui a décidé de mettre Yori X en 1, de mettre Saiki en 2. Allez, le dragon bien exécuté de la part de Salim qui a comprimé déjà Kenpachi dans le coin. Le dragon, il va se faire punir sur gros pied. Gros point avant B. La boule avec son dash. Le dragon bien exécuté de la part de Kenpachi pour éviter les assauts trop répétitifs de Salim. Allez, saut gros point, décalage, gros point avant. Ah, allez, Rika, ça c'est bien vu. Ah, une tentative de cross-up, mais ça a été vu par Salim qui a fait saut sur place CD. Allez, Yekshuran Kak qui passe. Allez, décalage chauve trouvé par Kenpachi, le dragon. La balayette. Yekboul, qui ne sert à rien là, Yekboul. Hein. Le cross-up tenté de la part de Kenpachi. Boule qui a failli se faire punir. Dragon cancel avec la chope, mais rien derrière. Ça c'est dommage. La boule qui fait mouche. Ah dommage, Kenpachi dommage. Qui se précipite dans le coup. Ken. Il avait bien géré là. De Mister Karaté. Et un karaté vivant, c'est un max mode plaisant. Qui peut être plaisant, c'est vrai. Signé dans, je dirais même. Alors là, faut qu'il arrive à tout. Ah ouh là, la sauce babée, c'était max mode et c'était fini du Saiki déjà presque. Hein. Ouais. Voilà, bien. Ouh là là, fou. Il a eu des sueurs froides. Là, c'est bon. Il s'est débarrassé du karaté, voilà. C'est déjà bien. Donc, Kenpachi se débarrasse très rapidement du karaté pour éviter de perdre 800 de barres comme ça sur une ouverture babée. Sur un babé qui était passé. Mais autant dire que Yori X, c'est peut-être le même tarif, mais avec 3 barres et il les a, Salim. Donc, faut faire attention. Téléporte arrière, je ne sais pas pourquoi. Saudé, babé, la boule qui est bien ardée. Le stand gros point qui fait anti-air va faire très attention. Allez, dragon en entière, si c'est bien vu. Saut gros pied, babé, babé, ça se regarde. Ça temporise un tout petit peu de deux côtés. Saut gros pied qui fait mouche, pas gros point en entière. Oh là là. Pour Kenpachi, le stand gros pied. Agression de Kenpachi qui est presque au quart de crush. Ah, là là. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est oublié le quart crush. Oh allez, oui. Gros pied, oh, la punition sur le dragon. Salim qui a... Bien cafouillé, devrait que c'est des médias 4 barres de furie. Oh. Ça tente des louches. Hein. Ouais, le stand gros point. Attention, les courses gros stand point gros là. Pied. Oh oui, bien vu ça, la déchoppe immédiate. Et bien gros joué. Point. La commande attaque. Et là par contre il est bien, Saiki c'est pas mal hein. Contre Kim. Contre Kim ouais. En quand effet, c'est un petit match-up sympa. Donc il peut se débarrasser mais c'est le Kim de Salim qui est habitué au comeback de la vie. Mais déjà s'il flash kick pas là, oh là là, la téléporte, je pense que c'était une mauvaise manip de la part de Kenpachi qui trouve le dragon ici en entière sur le Kim de Salim qui est full chargé, full drive, 4 barres de furie. Et là l'ouverture est là, voilà. Il va utiliser que 2 barres normalement, voilà, au Arides. Merci à Oro. Les noms étaient inversés. J'avais et pas Salim donc qui revient dans la rencontre avec ce match miroir à l'avantage au niveau des ressources à Kenpachi bientôt. Oh. Suffirait qu'il monte une barre de furie supplémentaire. Mais il max mode pas tout de suite pour pas parce que ça allait pas tuer. Oh.
ciao, ciao. Et en plus, ça aurait donné le max mode à l'autre. Ah là, il peut commencer un max mode, ah, je pense. Ouais, c'est bon, il n'y aura pas de grosse punition, il n'y a pas le max mode. Par contre, les entourloupettes, ils roulent dedans. Voilà, bien joué. Ah, Getsan, c'est raté, ça, de la part de Kenpachi, qui va manger. Il commence à avoir la tremblotte. Gelée, la tremblotte. Qu'est-ce que... Oh là là. Il a le max mode, en théorie, il a l'avantage, là. Il faut qu'il arrive à le placer. Salim qui est bien placé, tous les deux joueurs. Oh, oh dommage, ça, le vrai coulage, évidemment. Bien évité, sauter des kits écouteurs et rien, le flash-kick dans le vent. Oh là là, ça va être une fin au du bout du slip encore. Allez, oh, voilà, Getsan aérien, Getsan aérien, attention. Oh, barre de purée, yes, c'est fini. C'est Getsan. L'anti-élu. Anti-air de Salim qui et gagne. Et la victoire de la team double quenelle pour ce coffre All-Star pour ce 10e Stunfest. Donc victoire à la team Max Mod. Vous pouvez les applaudir.